Ça de bon ça, c'est Polo et bienvenue sur Assassin's Creed Odyssey et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est d'essayer ici et nous avons recruté un lieutenant, c'était super génial, n'est-ce pas? Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner vers le navire parce qu'on doit redonner notre quête, évidemment, n'est-ce pas? La dernière fois, on a fait tellement de batailles navales, c'était fou! Et je crois que je vais voler ceci. Est-ce qu'on y va? Et on rame! Et on va vers notre navire. C'est juste que ça prend 10 ans, oui? Alright! Je vais plus loin, je vais chavirer. Wow! Ripperino! Wouhou! Avant que je coule, je suis parti, oui. Je l'ai trouvé. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Megaris. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant pour un capitaine audacieux. Il me semble que j'ai déjà tout vu, non? Donc, ici. Ok, ça c'est nouveau. Attends, j'ai pas pris ces trucs-là, je pense, hein? Ouais, ok, alright, moi je prends tous ces trucs juste comme ça et si je les complète, je les complète. Si je les complète pas, ben, tout bad en gros. Ouais, c'est ça, tout bad en gros. Donc, voyons voir ce qu'on doit faire, les amis. Donc, what the hell? Gestion des primes. Un commanditaire a placé une prime sur vous en raison de vos actes illicites. Meurtre d'habitants ou de soldats, vol, attaque de navires de guerre, ta. Pour faire disparaître la prime, utilisez l'action payer toutes les primes sur la carte. Payez chaque commanditaire sur la carte. Tuez les commanditaires dans l'univers et restez discret jusqu'à son expiration. Vous savez quoi? Moi, je vais juste tuer tout le monde. Je vais jamais payer. Non, moi là, je paye pas. Oubliez ça, les amis. Alors, un chemin dangereux. Ok, j'ai quelque chose à compléter ici. Femme respectable cherche de l'aide des drachmes à qui la lui apportera. Oh, alright. Mais laissez-moi voir quelque chose. Où se retrouve la quête principale? Wow! C'est là-bas. Alors, toi, payez la prime, 141. C'est ça mon 141, mais. Vous savez quoi? Voilà. Non. Bon, ben. Allez, on va contrôler le navire. Bien, te revoilà, capitaine. On va aller à côté. On va compléter la petite quête secondaire qui est juste à côté. Et ensuite, on s'en va à destination. Augmentez la vitesse. En avant. Je crois que c'est ici. Forcez l'allure. Les rameurs ont besoin de récupérer. Plus de rames. Ok, c'est bon. Les rameurs ont besoin de récupérer. Moi, je suis comme plus de rames. Ok, c'est ça, c'est juste à côté. Rejoignons le large. Le capitaine a quitté la barre. Ouais, parce que j'ai besoin de faire de quoi d'intéressant. On va aider la femme. Ensuite, on va faire la quête principale. C'est mon fun, ce jeu, c'est pas incroyable. Je l'adore. Ok, donc... quête à proximité, un chemin dangereux. Suivre la quête, pas vraiment besoin là. Donc, parler à cette femme. What up? Je te cherchais. J'ai vu ton message. Alors? J'aimerais me rendre à une fête dans la cité. Ce genre d'événement attire toujours des gens intéressants. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les brigands, bien sûr. Ils se sont installés près de la route et s'attaquent aux personnes fortunées qui vont à la fête. Et sans parler des bêtes sauvages qui vivent dans toute la région. Tu veux que tous les hors-la-loi soient tués? Tu veux que les bêtes soient tuées? Non, c'est les hors-la-loi, bien sûr. Alors je dois les tuer tous autant qu'ils sont. Tous les brigands doivent mourir. Tu acceptes, Mystios? Juste pour assister à une fête? Waouh! D'accord, ce sera fait. Je te suis redevable. Je reviendrai quand ce sera fait. Alrighty boy, donc suivre la quête. Si c'est juste à côté, on va le faire. Si c'est loin, too bad, tu assisteras pas à la fête. C'est bon? Donc, c'est juste à côté, c'est pas si pire que ça. Mais laissez-moi voir quelque chose en ce qui concerne les quêtes. Les primes, éliminer les bateaux spartiates. Ok, ça me donne de l'expérience et de l'or.
Il se fait inventer, ça me donne je sais pas quoi. Et ça, ça me donne expérience en plus, quelque chose de bizarre. Oh, yo, ok, on va le faire, c'est sûr, 100%, c'est juste à côté, voyons donc. Donc ici, j'ai pogné ça, c'est vrai. Donc plus de dégâts de guerrier aussi. Ok, plus de dégâts sur soldat athénien. Wow, bon, pourquoi cette épée comme fait plus de dégâts sur soldat athénien? Cette épée déteste les Athéniens ou quoi? Petit cheval? Petit cheval? Attends. Ok, ok! Te voilà, frérot! Non, mais c'est tellement bizarre que... Que fais-tu? Vas-y! Je crois qu'il est fou, oui! Mais j'ai même pas amené mon cheval avec moi sur le navire! Et comme par magie, il se retrouve ici! C'est un cheval légendaire, les amis! Wouhou! Oh my god, j'ai foncé sur un arbre! My bad! Je suis vraiment désolé, frère! Allez! On est bientôt arrivé à destination. Tu devrais utiliser Icaros, hein? Non, vous savez quoi? J'ai même pas besoin d'utiliser Icaros. Ils vont se montrer très vigilants. Oh, niveau 10! Oh my... Ok, ça va être un challenge. Ça va être un gros challenge, c'est bon? Ça va être trop tard, mon frère! Trop tard! Attendez. Non, non, non. On va utiliser ça. Je crois que je vais utiliser ça. Tranquille? Comme ça. Pas besoin de lock-in, guys! Non! Ok, attends. Slam! Un petit coup de pied, pas! Yo, y'a un archer qui... Ok, alright, petit archer! Oh, c'est fini pour toi, frère! Je suis vraiment désolé, chien chaud. Je vais te trouver, moi, lâche! Elle est ici! Non! What? Yo, attends, est-ce que vous vous battez vraiment sur le bord de la falaise comme ça? Oh my god, que vous êtes crazy, shit! What? One down! Ok, c'était pas une bonne idée de faire ça. Slam! Bam! Oh, le combo de la mort. Wouh! Paprika sur le fleuve. Yo, je veux... Ah, arrête. Je veux ton item. Merci. Donc, t'avais juste 10 drags. That's all. Ils sont niveau 10. Mais vous avez vu à quel point je les ai honnés. Wow! Que ça, c'était intéressant. Il y a encore ici. Voilà. Donc, un fer. C'est tout ce que tu me donnes? Mad dude. La femme, je sais plus est-ce qu'elle est tombée là, mais bon, ce n'est pas si grave que ça pour être honnête avec vous là. On va voir s'il y a un trésor ici. What? Oh! Yo Pepito! Tu sais que j'ai tué ton maître là, mais... Oh non! Ok, un item de niveau 10. Alright. Merci pour ci, merci pour ça. Il y a encore un item là-dedans, je pense. Ah ben non. Bon ben, Epona, ramène-moi chez moi! Oh, ok, t'es disponible. Doucement. T'es disponible en fait. Ok, ben. On peut tuer des gens de niveau 10. Pas de problème, pas de cacarino. Eh, hey, pas pire. Mais vous avez vu? Le chiffre était en rouge. Ça presse de peur. Comme si c'était impossible de les tuer. Mais en fin de compte, c'est super facile de les tuer, mais. Ah, on l'a fait, les boys. Tu es de retour. Tu les as tués? Je me suis occupée de ces problèmes, jusqu'au dernier. Tu m'as aidé plus que tu ne l'imagines. Prends ceci. Ok, maintenant je peux aller faire la fête et draguer les amoureux. Tu pourras rejoindre mon équipage, merci. Hey, rejoins-moi. J'aurais besoin de quelqu'un ayant tes compétences. Ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage? Une Etahir va où elle veut, quand elle en a envie. Ton bateau n'est pas assez grand pour moi, Mystios. Bien.
Nous nous reverrons peut-être, si Poséidon le décide. Oh ! Oh, je croyais que j'allais pouvoir te recruter. Oh, pendant un instant, je suis comme super happy, mais en fin de compte, oublions ça. Tu veux rien savoir de moi ? J'aurais dû la menacer, en fin de compte. Peut-être que je peux la menacer ! Attends, est-ce que c'est possible de la menacer ? Laisse-moi voir la map. Bon, il n'y a rien qui me dit que je peux la menacer, pour être honnête avec vous, là, mais bon. Alright! Bon, allons sur le bateau et ensuite on va aller vers la quête principale, là. Ouais, en gros, c'est ça. Mes amis? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bande de radins qui veulent pas m'aider. Bon, voyons voir si il y a une nouvelle quête qui s'ajoute. Ok, non, c'est parfait. Alright. Donc, c'est vrai, il faut que je choisisse ma quête. Donc, ceci, let's do this. On va aller là-bas, c'est l'heure d'y aller. Si vous regardez en bas... Nous sommes à pleine allure. En ce qui concerne les soldats qui ont des javelots et des arcs, il m'en reste pas beaucoup, on dirait. Il faut que je recrute tout le monde. Que vos lances les transfèrent. Ok, voilà. Oh, intéressant. Ouais, la dernière fois, je savais même pas que j'avais des bonhommes à javelot. Les rameurs ont besoin de repos. Ok, boss. C'est bon. Ah, joli dauphin. J'adore le fait qu'ils sont en train de nager juste à côté de nous. Ça, c'est naviguer. Je me demande s'il est possible d'aller vers une île qui est super loin. Genre, par exemple, est-ce que je peux prendre le bateau et aller directement... je peux pas aller directement comme dans des endroits ici, genre. Alright. Mais vous avez vu, la map est gigantesque. Like, really? Là, je suis sur ce bateau. Ça me rappelle le temps quand j'étais un petit cul. Je jouais à The Legend of Zelda, Wind Waker. Je comprenais rien de ce jeu quand j'étais jeune, mais j'ai réussi à le terminer comme par magie. Je faisais juste aller n'importe où, n'importe quand. La guerre a transformé le monde grec. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens. Ce sont des bandits et des pirates. Et Dieu nous garde de tout. C'est ça, genre... Dans ma tête, c'est... Really, guys? Et oh! Il y a comme un point d'interrogation en or! Qu'est-ce que... Wow! Yo, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on devrait y aller? Okay. Attends, point d'interrogation en or! C'est la première fois que je vois ça! C'est juste à côté! Ah! Tu vois cette île? C'est là! Vite! C'est là la bête? Ok! Vengeance alors! Wouhou! Et ouais, c'est ça, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que c'est la première fois que je vois ce point d'interrogation. Peut-être qu'il y a un item légendaire. Il y a sûrement la bête que l'homme a vue. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je peux sûrement tuer la bête et obtenir un item légendaire. Ça va être fun. Allez. Mon petit cheval. Pépito. Ah, voilà. Île oubliée. Il y a 3 trésors. Grotte de l'île oubliée. Je vais être honnête avec vous, je vois pas la grotte, man. C'est encore plus bas? Est-ce que c'est encore plus bas? Et, ok, il faut vraiment que je cherche l'île, hein? Je veux dire l'entrée de la grotte. Ok, c'est quoi? Epona! Let's go! On va faire le tour comme ça et on va voir ce qui se passe, hein? Oh, ok, il y a un bonhomme avec une quête secondaire ici. Mais bon, je... Ah ouais, vous savez quoi? Je crois que je vais prendre sa quête secondaire. Je ne pars pas! Je t'en supplie! Ok. Je vais prendre ça, mais je vais pas la compléter. Oh, merci, oh Dieu, de t'avoir envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton équipage? Des pirates! Ils nous ont presque tous tués, mais ils ont emmené mon frère. Il faut que tu l'aides. Si tu as des drachmes, je vais t'aider. Ok.
Je ne vais pas risquer ma vie ou mon navire pour le frère d'un marin. Sauf si tu as de l'argent à me proposer. Je suis pas marin, je suis charpentier. Et mon frère aussi. C'est notre père qui nous a appris le métier. Intéressant. Notre navire aurait besoin d'un charpentier. J'ai travaillé sur des navires et réparé des coques qui avaient des trous aussi gros que le point de Poséidon. Alors, sauve mon frère et je rejoindrai ton équipage. Marché conclu. Oh, qui n'y a pas le temps de niaiser avec le blabla, il faut aller sauver le frère. On va trouver ces pirates et libérer ton frère. Parce que plus on parle, plus son frère est en danger, hein? Donc, laissez-moi voir quelque chose. Alors, c'est où exactement? Ah, c'est à 600 mètres. C'est pas sur l'île. C'est pas... Attendez. Ah, c'est sur une autre... Ok, mais c'est quasiment sur le chemin, alors on pourra le faire. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la grotte qui est juste devant nous. Donc, selon moi, il faut passer par là. On va suivre le chemin et on va trouver l'entrée de la grotte. Et voilà. Wow! Il y avait un trésor juste devant moi, non! Oh! Vous êtes en train de me troll, les amis. Ok. Bon ben. T'as pas le choix, hein? Ici, il n'y a rien. Si je touche ça, est-ce que ça fait mal? Ça a l'air que oui, hein? Ah ben non, ça fait pas mal. Oh, ouais. Donc, je me demande. Ah! Oh. J'allais dire, je demande si je peux utiliser Icaros, mais on dirait que non. Bon ben, cet endroit a l'air maléfique, vous ne trouvez pas? Donc, j'ai récupéré des pierres précieuses et de l'obsidienne. Nice. En plus, il y en avait beaucoup. Oh, je peux pas escalader ça. Donc, comment je sors de là? Wow. Relax. Oh, j'ai vu quelque chose de mauve! Oh, ah ben voilà! Ok, deuxième trésor, pote de cognard! Oh oh oh! Il y a plein d'items intéressants! Mais là, y a-t-il un autre endroit qui cache de quoi? Peut-être en haut là-bas! Je vous jure, dans ce jeu, il y a tellement de trucs à faire, c'est pas croyable! Ne tombe pas, frère. Ne tombe pas. Oh, ok, non. Oh. Ok, non, en fin de compte, il n'y a rien. Ok, c'est bon. Donc, descendons. Ouch. Pardon. On va aller par là. Let's go. Chut. Utilise ton radar de patte mobile. Ok, ça, c'était bizarre. En arrière. Ça n'est pas de ce monde. Oh, Hades, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas l'impression de pouvoir franchir cette porte. Une autre fois, peut-être. Ok, alright. C'est quoi cette bête mythique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me manque un trésor que je ne sais pas où aller chercher. Yo, ça fout les jetons un peu, vous ne trouvez pas? Ah! Ok! Ouais, je crois que, honnêtement, il me faut une arme. Il me faut une arme, ou une compétence qui me permet de faire kaboum à la porte. Et là, je peux attaquer le monstre mythique. À moins qu'il y ait un autre chemin. Est-ce que vous me donnez une minute pour chercher un autre chemin? J'ai même pas trouvé l'autre coffre. Ben, c'est pas si grave parce que je sais que je vais revenir ici plus tard. Ben, c'est ça à 100% que je reviens plus tard ici. Non, je crois pas que je puisse faire de quoi. Perso, rien. Si je veux faire de quoi, faut que je pète ça. Peut-être que si je prends une massue, est-ce que j'ai encore une massue avec moi? Oh non! Ou une pomme.
Ouais, une massue ou une bombe. Ouais, vous savez quoi? On y va, les amis. C'est ça qui est ça. Ah, c'est vrai. On va voir ce que je peux faire. Ah, carte du monde est disponible. Je voulais voir si je pouvais faire... comment ça s'appelle encore? Un petit voyage rapide. Pour aller sur le navire directement. On dirait que non. On dirait que non. Parce que je peux pas sortir ma carte. Bon, ok. Cet endroit est un endroit à revisiter dans le futur. Intéressant, intéressant. Donc, ouais. Let's do this. Alors, ici. Ah, ben oui, on peut faire un déplacement rapide. Attendez. Ah, je suis allé sur le grotte de l'île oubliée. Mais je sais pas. Attends. Île oubliée. Waouh. Ok. Intéressant. Je peux faire un déplacement rapide ici. Je savais pas. Ok. Alright. Donc, let's go. Déplacement rapide. Wouh. Alors, dès qu'on trouve une arme qui nous permet de péter un mur, on va aller là et on va venger notre cher capitaine. C'est bon? Pour l'instant, j'ai rien. Il me faut sûrement une bombe. Une bombe. Ou un champignon qui me rétrécit et je peux passer à travers la porte. Il est charpentier. Des pirates ont emmené ce frère. Si on va le sauver, il travaillera pour nous. Alors allons chasser ces pirates! C'est la deal, Poupi! C'est la sueur, les gars! Ramez comme si vous aviez Cerbère sur les talons! Mais bon, donnez-moi une seconde. Il faut que je fasse de quoi avec mon inventaire. Faut toujours jouer avec mon inventaire. J'ai toujours des nouveaux trucs à aller prendre. Ah, ok, non, c'est vrai, je peux pas équiper ça, mais ça, je peux équiper. Donc, ça me donne pas plus d'armure, mais ça me donne plus 5% de dégâts d'assassin, plus 5% de dégâts sur animaux. On va le prendre. En avant! Attendons que les rameurs aient récupéré, capitaine! Oui, boss! Donc, si on regarde comme dans les environs, j'ai juste vu deux navires ennemis. Ouais, il y a juste deux navires ennemis là-bas. Et je crois que ce sont les ennemis que je dois tuer pour ma quête principale. Nous sommes à pleine allure. Wouhou! Capitaine, les rameurs se fatiguent. Pas de problème, on est déjà arrivé à destination. Alors ici, ok, il n'y a rien d'autre. Donc, laissez-moi voir quelque chose. On dirait que j'ai quelque chose que j'ai pas mis, hein. L'arc, c'est vrai. Ah, ok, un arc niveau 10, ok, c'est bon. Donc, les quêtes. J'ai une nouvelle quête, une vie de pirate. On va la compléter, ensuite on va faire la quête au 10, c'est bon? Oh, il y a un bonhomme qui s'est caché. J'ai besoin des deux frères dans mon équipage. Et des pirates, plus 57 expériences. Je dois me montrer prudent par ici. Et c'est lui qui a le frère. C'est bon, attendez. Faut que je sache qui s'amuse à faire ça. Viens ici, mon ami. Je ne vois rien, pourtant. Surprise. Venez. Qu'attendez-vous? Ok, yo, vous savez qu'on fait le temps de niaiser, man. Waouh. Désolé, le frère. Ok, il y a un bonhomme qui est tombé. Wow, attendez, tranquille. Je sais pas ce qui s'est passé. What the hell? Je crois que c'est la première fois qu'on est mort, hein? Je pense à 100%. Comment ai-je pu tuer des bonhommes de niveau 10 facilement et cette fois-ci, j'ai même pas pu tuer des bonhommes de niveau 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait attaquer trop de fois pour comme aucune raison. J'ai essayé d'utiliser des flèches et faire des headshots pour quelconque raison, mais
Cela n'a pas marché. Vraiment pas. Mais bon, je vous dis ça, cette fois-ci-là. Ça va être Tigidou. Ah. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. Voilà. Abritez-vous. What? Oh, je voulais faire un petit coup ici. Maintenant, il y a du mal à se tenir. C'est là-bas qu'on tire. Oh, je suis à court de flèches. Ok, cette fois-ci là. Oh, va mourir. Cette fois-ci là, je vais pas faire avoir. Bon, tranquille. Je vais maîtriser les chiffres. Attendez, un petit coup de pied de Spalta. Wouhou. Tu m'as empoisonné, mon ami. Wow. Ok, attendez, tranquille, tranquille. Ah, c'est vrai, je suis à court de flèches. Voilà. Wow. Non. Comment se fait-il que c'est aussi dur que ça? C'est la deuxième fois que je fais. Ok, si je fais encore une fois, il y a une fenêtre à côté de moi. Je saute par la fenêtre. Comme ça. Non mais, honnêtement, c'est plus dur que ce que je pensais. Ok, je vais arrêter de troll. Je vais jouer sérieux. Vous allez voir, ils vont tous se faire massacrer la gueule. Enfin, je l'espère. Je ne bloque jamais. Je ne pars jamais. Parce que dans ma tête, c'est les esquives sont les meilleures. C'est ça. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. T'es passé. What? Brother? Ok, ces bonhommes là, ce sont des trolls, hein? Mais bon, donnez-moi une seconde. Ah, encore un autre coup? Je vais attaquer le soldat. C'est correct. Bon, voilà! Ok. Il y a deux gros bonhommes qui sont dead. Cette fois-ci, j'ai aucune raison de foirer mon coup. Je m'en fous. Let's do this! Je vais même pas me faire toucher une seule fois. Ok. Oubliez ça. Oubliez ça. Ah, j'ai rien. Slap! Bah! Oh! Oh my god, je vous jure, ce bonhomme! Il est trop fort, c'est pas croyable. Ok, c'est toujours lui qui me donne du fil à retordre, en fait. Ok, attendez. Je crois que ça, c'est correct. Le poison est en train de massacrer. Il n'en peut plus. À vous. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Non. Wow. Ok, vous savez quoi? Je vais juste spammer les flèches. Non! Wow! Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Tout le monde n'est pas fait pour. Non, je suis encore. Oh putain! Wow! Attendez. Non. Ah! À vous! God, vous n'êtes pas sérieux. Tout ça c'était à cause de lui en fait. Ce gars-là il était trop fort. Est-ce que t'es un ennemi? Je prends pas de chance hein. On sait jamais. Pas parce que t'as l'air d'un paysan que tu n'es pas un ennemi. Donc ceinture de mercenaire. Thank you very much. Hey, oh baby. Ah ben non, c'était le bonhomme qui se faisait torturer ici. Oupsie daisy. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Bon. Donc, mettre la personne captive en sûreté. All right. C'est ton frère qui m'envoie. Ah, c'est lui-là. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état? Tu t'en remettras, tu ne survivras pas. Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère?
Dis à mon crétin de frère que je... Oh... Je peux comprendre ce qui s'est passé. Moi aussi, je me suis fait... massacrer par les dagues empoisonnées. Ripperino, tu vas te faire manger par les requins. Allez, amuse-toi. Amuse-toi. Donc, y a-t-il de quoi à faire sur cette île? Non, y a plus rien à faire sur cette île. Alors, inventaire, j'ai pogné un item assez intéressant, c'est-à-dire ceci. Donc, ça me donne beaucoup plus d'armure. Je crois que j'en ai vraiment besoin, là. Ouais, parce que si je l'ai pas, moi, là, wouhouhou, j'aurai de la difficulté à survivre. Ici, faire ça comme ça. On va juste démonter tout ça parce que j'ai pas besoin de l'argent. Alright. Oh! Ça, c'est un item que j'ai reçu de la part d'Ubisoft. Je savais pas et je l'ai utilisé. Depuis le début du Let's Play, j'étais comme, non, je vais jamais utiliser ces items. Et à la fin, je l'ai utilisé sans faire exprès. Oh my god. Donc, aptitude. Que voulais-je faire? Ok, ça, là, ça a l'air intéressant. Honnêtement, là. Donc, ah, attendez. Ça, là, est-ce que je peux le déplacer quelque part d'autre? Attends. Réinitialiser aptitude. Non, je veux pas réinitialiser les aptitudes. Je veux juste changer... Où est-ce que j'utilise mes aptitudes? Attendez, on peut pas juste recommencer le tout? Je veux placer ça ici, genre. Attendez, on va faire réinitialiser, voir ça donne quoi. Ah, ok. Alright, donc j'avais ça si je me rappelle bien. J'avais ça si je me rappelle bien. J'avais ça. Et je vais mettre sur triangle. Je sais pas comment faire en sorte que... Vous savez, genre... On recommence, ben, on déplace les aptitudes, je sais vraiment pas. Ici, si je me rappelle bien, c'est ceci. On va mettre ça là. J'avais quoi d'autre? Ok, ouais, j'avais plus de flèches. C'est ici. Et j'avais ça. Ouais. Et c'est cool qu'on puisse réinitialiser nos aptitudes. Ah, ben non, j'avais quelque chose ici, non? Ah, non, c'était pas ça que j'avais! C'est ça, ok, retirer. Et là, attendez. Ah! Ah, c'est comme ça qu'on retire et qu'on affecte ça! Ah! Ok! Ok, attends, non mais, oh, non, attends, pour utiliser, c'est quoi ça? Ah ben non, c'est ça! Utiliser les flèches, non? Non, c'est ça que j'avais! Et ça, c'est quoi? Tire, c'est maintenant 3 flèches affligeant chacune. En tout cas, là, vous savez quoi? Je vais faire ça en vidéo, là. Alors, je suis de retour sur le navire et maintenant, nous allons redonner notre quête à ce bonhomme. Ouais, voilà. Oh, j'essaie de parler. Tu as trouvé mon frère? Où est-ce qu'il est? Il a survécu. Il est mort, hélas. Oh, my God. C'est juste... Il va se demander où est-ce qu'il est, alors. Non. On va dire la vérité. Il n'a pas survécu. Je regrette. Oh non! Je vous maudis, Dieu cruel! Il n'y avait pas de Dieu sur ce bateau, seulement des pirates. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner. Il détestait la mer! Tenir une lance m'a souvent aidé à oublier la peine. Si tu es prêt à tenir parole, nous te donnerons un marteau. D'accord. Il n'est plus rien qui me retienne ici. Alright, ok, au moins il a pas sauté, vous savez, comme ici pour se noyer. Vous voyez ce que je veux dire? Oh! Une chance. Ok, ça m'a fait tellement peur de dire qu'il est mort, mais je préfère être honnête. Vous voyez, quand il faut pas mentir comme dans ce genre de choses. Non, c'est no good baby boy. Donc, donnez-moi une seconde. Navire. Alors, je peux affecter un mercenaire ici. Alors, oh, Tecton, t'as l'air bien meilleur. C'est quoi ça? Plus 3% de dégâts de flèche? Plus 2% de blindage. Wow. Ah, je crois qu'il va garder ça comme ça. Plus de dégâts de flèche, c'est beaucoup plus intéressant selon moi. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!